qui est pas bien notaire. Donc maintenant, voilà. Il faut un secrétaire. Maintenant, un secrétaire. Montpellier, vous êtes candidat. Raphaël. Il est où? Coordinateur, Raphaël Thier. Voilà. Tu es le secrétaire administratif du comité de pilotage. Oui. Voilà. On avance. Kana, est-ce que vous pouvez nous proposer un secrétaire administratif adjoint? Oudis. Manel. Manel. Ok. Remets pas la terre. Manel, tu soulèves la main, il y a des gens qui ne connaissent pas. Allez. Chargé de l'organisation. Raki. Raki Falad. Tu m'as mis là où c'est difficile à faire. Fouf là la vis, quoi. Voilà, ma fouf là la vis. Voilà. Raki, c'est bon? Ok. Voilà. Adjoint Raki. Mais toi, tu fais quoi dans tout ça? Moi, je fais ça. Je suis en train de faire. Mais Bakary Biné Camara, Adama Kadé, mais Bakary Biné Camara pour Marseille, Adama Kanté pour Montpellier, la scène Anna Pernanga. Il y a des sections du Sud, au-delà des sections du Sud, il y a une forte délégation de Paris. Tout à l'heure, on aura l'occasion. Pour le moment, ils sont encore chez Aminata. Mais je remercie mes camarades qui sont avec moi, Badou, Émile. Et puis, vous dire également que nous avons tous eu conscience que le Sud est important pour le parti. Le Sud est important pour le parti. Je le répète, nous sommes témoins de ce parti-là. Nous savons ce que vous avez fait pendant les élections. Nous savons ce que vous avez fait avant même les élections. La manière dont vous avez réussi à mettre en place les élections, c'est important. Nous savons ce que vous avez fait pendant les élections et nous savons également ce que vous avez fait depuis les élections jusqu'à maintenant. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois, on a l'occasion de vous féliciter, et surtout vous dire également de continuer sur ce travail-là, parce que c'est important. Et il faudrait tout ce qu'on fait, que ce soit dans la discipline, la solidarité, dans l'unité, dans le rassemblement. Donc c'est pour cela que nous, en tant que responsables du parti, le fait d'être là aujourd'hui, on ne peut être que heureux. Au-delà des remerciements et des félicitations, je remercie Momat de la pertinence de son intervention par rapport au PSE. Il a résumé le PSE en quelques minutes, qui est très compliqué à comprendre, parce que le PSE, c'est une vision, c'est un horizon. Il l'a dit dans ses propos, un horizon de 20 ans. Et comme vous le savez, le président, il a beaucoup d'ambition pour le parti. Il a beaucoup d'ambition pour le Sénégal, je dirais. Mais cette ambition, ça nécessite du travail, ça nécessite une certaine conscience et surtout qu'on change les mentalités. Parce que avant ce PSE, qui est un plan comme la plupart des plans qui ont existé avant le PSE, c'est surtout la rupture au niveau des mentalités qui a manqué. Donc il faudrait au Sénégal qu'on travaille sur les mentalités, qu'on change d'habitude, qu'on change de comportement, qu'on commence par d'abord à respecter la valeur du travail, parce que tous les pays qui se sont développés dans le monde, c'est à travers le travail, c'est surtout à travers le respect du travail. Donc il faudrait que nous, à notre niveau, qu'on soit conscients de la responsabilité qu'on nous donne, ça c'est un. Deux, ce que je peux dire par rapport à tous ces projets qui émergent, j'ai dit dans mes propos que le président a beaucoup d'ambition pour développer le Sénégal, mais le président tout seul, il peut rien faire. Le président avec ses ministres, ils ne pourront rien faire. Le président a besoin de tous les Sénégalais. Donc il y a un plan qui est en train de se réaliser. Ce plan, on est encore loin de l'horizon 2035. Mais il faudrait que chacun s'implique, chacun essaye à son niveau de faire de telle sorte que pour qu'on puisse avancer. Voilà, donc c'est pour cela que la plupart des projets qu'il a cités, nous, en tout cas en tant que Sénégalais, en tant que militants de la paix, et en tant que membre d'un parti au pouvoir, nous ne pouvons que s'inscrire par rapport à cette dynamique-là. C'est à nous d'accompagner le président de la République. Il est en train de faire un travail extraordinaire pour le Sénégal. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir le président Macky Sall, mais malheureusement, la plupart des gens n'est pas conscients de cette chance-là. Et surtout, il a besoin de notre soutien, il a besoin d'une certaine solidarité de la part du peuple, de la part de la population,
Il l'a dit dans ses propos, la diaspora compte beaucoup. Le président compte beaucoup sur la diaspora. C'est à nous aussi de l'accompagner par rapport à cette ambition. Et Inch'Allah, avec les efforts que nous allons fournir et avec l'implication de tout le monde, je pense qu'on aura, on arrivera à l'objectif. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup. Je suis heureux d'être là aujourd'hui. Tout à l'heure, on aura l'occasion de parler sur autre chose. Mais sur le PSE, je suis content d'entendre Momar discuter comme ça et présenter le PSE. Et ça peut être comme ça. C'est-à-dire, nous, on doit prendre le PSE et vulgariser ces résultats-là. Vulgariser les travaux que le président est en train de faire. Les résultats que... Parce que nous serons jugés par rapport aux résultats. Il ne faut pas se leurrer. Donc ces résultats-là, c'est à nous de les vulgariser et de s'approprier du PSE et de faire le nécessaire. En tout cas, merci beaucoup. Merci, M. Kota. Bon, merci. Merci beaucoup. Donc, il y a M. Dembassou et sa délégation qui vient d'arriver. J'aperçois M. Tamsir Faye, le consul général de Marseille. Sohna Awa Diop Mbake, responsable des femmes. M. Ablaye Mbogne, coordinateur de la CCRF. Et cette très très forte délégation, donc Madame Bakke sa yimin tousir han min dere makki ko an o do gari
no dari dade madame Macky Sall so hay wopp de sa Macky Sall ni woni assemblée nationale am dari pari daye me jidida so jidida sa notida yimbe be fof ngen koy lewru ko ko wonno o de heure yimbe fonna dari yimbe foko don kumti Macky Sall wadi discours mum gilanden ada nanga woppan kadi min ciusi min dewe ma be bi nedd sene rewa yo rewe mbarodi nedd sene rewa yo rewe niwa so ridama danato moli woni o do yen ruti Abdrahman Koita gila fudu fudu Haidara Bonnan gila Samba Koita Haidara Bonnan kada dari makadi dam kada yide Macky Sall adari makadi dam yide APR ko nanda ko weli ko metti fofa adi suudi ada rewe yimbe ana min jarnuma kadi gewtu ngummi da no wodi ada wawno wiide bari dembo so yi tan ya ha ko no badda to dembo so yetti fofa yetta wonno ko an rewe dembo so ana la fofa min bay yob dem ada wa wiide ka sar khulle be wadde parti ne kee ada wa ngon fadi yaade biida ko an to jidda do ko don tan nangata yalla jundu balde ma wado non ko badude anaka da wertanam a jarnam kadi ko ngadda ko de arbi du mantala jodi nabe fof mi rew nabe fof gargol ma yodi an andu ko jidda yalla wadan dum o do mo wito ko emi ba hon kanyum responsable des jeunes emi o de woni toni anaka da jarnam ka dami do Macky Sall e mbodi o e jodi dum bonna nabe fof bandiraaɓe hirde nde yoodi de hirde nde weli s'il vous plaît ñu déglo oɗon mbawi hettade seeɗa par ce que halti ko ne waɗi fayida minen min gummimo ko Elbeuf s'il vous plaît s'il vous plaît min woni adjoint responsable des femmes de Elbeuf min woni responsable ma min ari ɗo ene arani yimɓe ɓe foof donc noon so yimɓe ne kala ko ɗon ko heɗade par ce que joɗi ɗo ko foto mi gummi ɗo no woni jaafa ɗon noon min gari min garde délégation min garde Fama Lobba Diallo affaire amin jogori wadde organisation le 4 avril fonno wadede ko le 8 journée de la femme wonno le 14 o hande ko hunde no ganduɗa ni ɓendi min min mbawa wadde le 8 min mbaɗa le 14 min nanga lawol min gara wonno oɗo ni tiiɗi min kadi wonno Macky ni tiiɗuma ɗum waɗi min goppi le 8 o min batti ɗum le 4 avril won kanko noon Fama Lobba kanko woni responsable minen joguiɓe organisation ɓe fof ko kanko ardi donc noon min gardema min garde ñañamen Dieynaba Ba onon fof noon on invitama la 4 avril inchallah onon fof yon gar amna ɓenn xale bi fi taxaw madame Bakel neena lu ni wax si tukuloo déggu ko il faut ñu traduire ko en wolof xale bi fi toog woon léegi c'est responsable des jeunes de Toulon voilà responsable des jeunes de Toulon si ce n'est responsable du moyen d'embrasser mon mon idée ce nous sommes mon est responsable Afrique du parce que j'en ai t'es là mon nom est là comme nous nous d'appeler ce qui c'est une idée qui est une idée ki moy gaynde sunu kanam ki moy elephant sunu kanam motax ñu ragalu no dara namu ñu dara li Fama Lobba di wax ndax mom ak Abdrahmane Koita mi ci top ak Medou ak Emily ak Tony ak Ngone me tok ñom ñep ñu ngi leen di gëreum di leen sant ndax fimu joge sorena ñew nañu ndax journée bi ndax ki mo leen ko jara ak Macky Sall kon nak yeen ñep jare merci beaucoup Kanya merci vraiment merci beaucoup on va quand même avant de donner la parole au responsable national, il y a le consul de Marseille qui a je suis étudiant, ça fait pas longtemps. Donc je comprends parfaitement leur revendication. Et c'est légitime, hein? Et c'est légitime. Et je pense qu'on aura l'occasion de nous voir. Et je vous assure que je trouve franchement que c'est une injustice que quelqu'un qui a de certaines notes ne puisse pas bénéficier d'une bourse. Je trouve que c'est injuste. J'ai vécu en France, j'ai fait toutes mes études à Paris. Donc je connais
véritablement, j'ai été responsable de l'UNEF, je connais véritablement la question des étudiants. Donc je pense que quand on se verra, on discutera. Si je ne suis pas venu à Toulon, effectivement, parce que vous savez que je ne suis pas le responsable des étudiants. Je suis un consul. Je suis votre responsable parce que vous êtes des Sénégalais. Mais intrinsèquement parlant, sur la question des étudiants, je n'ai pas de pouvoir, en réalité. C'est le monsieur le directeur des bourses, mon cher ami et frère Moïse Sarr, qui a à la charge de cela. Et nous avions programmé de faire une tournée dans les universités ici, dans le sud, pour voir ensemble, de façon inclusive, comment nous pouvions faire pour régler les problèmes des étudiants. Sans prétention aucune, parce que vous savez très bien, vous et moi, que la question des étudiants dépasse largement le bureau de bourse. On sait toutes les problématiques qui sont liées aux étudiants et qui est une problématique difficile et qui ne touche pas seulement les étudiants africains, mais qui touche aussi les étudiants français, tout ce que vous voulez. La question du logement, par exemple, ça touche tout le monde. La question du travail des étudiants, ça touche tout le monde. Donc je veux dire, on peut se voir avec le directeur de bourse. Des questions comme que vous avez soulevées, c'est des questions que nous pouvons régler et qui ont commencé à être réglées. Quand les gens ont un certain niveau et qui passent, qu'ils ont des notes, il n'y a pas de raison pour qu'on ne leur donne pas de bourse. Et je pense que c'est quelque chose qui a été rectifié et vous pouvez être bénéficié. Sachez que, chers amis, sachez que vous avez un interlocuteur qui est disponible, qui est disposé à vous parler. Et vraiment, ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Donc voilà, j'ai l'habitude de discuter avec Magaï, qui est le responsable des étudiants ex-Marseille. Et les gens de Montpellier aussi, j'ai été à deux fois à Montpellier. Mon premier déplacement que j'ai fait à Marseille, c'était deux jours après que je sois venu. C'était à Montpellier, la grande association des étudiants de Montpellier. Et j'ai été deux fois dessus, j'ai rencontré. Eux aussi sont confrontés depuis quelque temps à pas mal de problèmes. Mais ensemble, on va essayer de trouver des solutions, Inch'Allah. Je voulais dire aussi que j'étais là parce que la communauté sénégalaise, nos parents Manjac, qui sont ici dans cette zone, ont été frappés par des situations douloureuses de mort et que trois de nos compatriotes ont perdu la vie. Et en ma qualité de responsable des Sénégalais ici, je devais venir manifester ma solidarité. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu aussi aujourd'hui. Je suis venu pour présenter les condoléances à ces familles et pleurer. Et voilà, prier pour que le bon Dieu les accueille dans son paradis éternel. Et je demande à tout le monde, tous les Sénégalais qui sont ici, de prier pour ces gens qui nous ont quittés. Et que le bon Dieu veille sur ceux qui sont restés. Et Dieu accorde longue vie et grâce, santé à toutes les personnes ici et ceux qui ne sont pas là. Et je suis passé ici, bien entendu, avec parce qu'il y a le Sénégal émergent, mais il y a ma sœur Aminata aussi, qui est vraiment, je sais que demain je serai taxé, ils vont dire, ne consulez pas de faire de la politique. Bagaré, je ne suis pas venu ici avec une casquette politique, c'est pourquoi je ne me suis pas mis sur le président. Je me suis mis là-bas parce que je ne devais pas être là. Là, c'est les hommes, les politiques qui sont là, je ne me suis pas mis là. Donc, je ne suis pas venu avec une casquette de responsable de la paix. Je suis venu en tant que consul général et je suis venu aussi manifester la solidarité à une seule que je connais depuis longtemps. Donc, le responsable des jeunes ici présents, M. Émile Barou, qui a pris ma succession à la tête du mouvement des jeunes de la paix, qui fait un excellent boulot. Et vraiment, nous ne sommes pas surpris de ce qu'il fait. Demba Sow aussi, bon, Demba, Madame Bak et tout ça, ça c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Mais vraiment, voilà. Et dire à ma sœur, Adama, il a évoqué quelque chose de très important. Parce qu'on est à l'heure de la diplomatie économique. On n'est plus dans une diplomatie statique où les gens se renferment dans des bureaux et traite des dossiers administratifs simplement. À l'heure que je vous parle, le consulat général du Sénégal à Marseille a rencontré plus de 51 collectivités locales ici dans la zone. À l'heure que je vous parle, des mairies, des conseils généraux, conseils régionaux, des agences qui s'occupent de l'emploi et tout ça. Récemment, chambre de commerce, récemment on a rencontré avec Jean-Claude Guesso.
de la région Languedoc-Roussillon, d'ailleurs qui est un grand ami du Sénégal et qui souhaite entretenir avec des collectivités au niveau du Sénégal. Voilà. Allô, s'il vous plaît dans la salle, s'il vous plaît. Les filles qui sont là-bas au comptoir là et les gens qui sont derrière, s'il vous plaît. Vous avez des invités qui sont venus de très loin. Vous avez des gens qui ont quitté Paris pour venir nous écouter. Vous avez des gens qui ont quitté toutes leurs occupations pour venir ici. Pour l'amour de Dieu. Et puis après, nous avons des fêtes normales. Mais s'il vous plaît, nous devons déglouter. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était simplement pour dire que vraiment nous avons conscience de la nécessité de se déployer et de faire en sorte que les possibilités qui existent ici et qui n'existent pas au Sénégal, dans nos collectivités locales, dans le secteur économique, puissent créer le lien entre les collectivités locales et celles qui sont au Sénégal. Et c'est dans cette optique d'ailleurs que nous sommes venus ici, parce que nous allons, dans les prochains jours, organiser, si Dieu le veut bien, les journées économiques du Sénégal dans le Sud. Et ça sera une occasion formidable pour mettre en relation tous les chefs d'entreprise, en tout cas de concert avec la Chambre de commerce de PACA, de faire en sorte qu'il y ait des possibilités d'investissement des sociétés, des entreprises qui sont dans la zone au niveau du Sénégal pour participer à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Je ne vais pas être prolixe parce que sinon je vais parler. Mais je vais vraiment m'arrêter là et dire à tout le monde que le consulat est là pour tout le monde. On n'a pas la prétention de dire qu'on va régler tous les problèmes parce que l'on y a le recommande. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Mais en tout cas, nous ferons en sorte que tous les problèmes auxquels nous serons exposés, nous chercherons des solutions à ces problèmes-là. Et je pense qu'au niveau de Marseille, au niveau de Montpellier, Nice, Cannes, les consulats mobiles, c'est vrai. On en a fait un peu, il faut accepter. C'est vrai, on en a fait, il faut le refaire. On a programmé pour Nice. Mais on a un problème technique pour Nice, parce qu'on a une seule machine pour faire les gardes. Si on va à Nice avec toutes les personnes qui sont là-bas, qui attendent, on risque de faire 2 jours sans pour qu'on régler les problèmes. Donc il faut apprendre une machine à Paris, venir faire 2 jours à Marseille, à Nice. Bref, voilà. Mais sachez que nous avons la volonté.